Selon vous, quel est le résultat de cette opération? 3 plus 2 fois 10. Eh bien, beaucoup d'entre vous vont dire, ils vont faire le calcul, 3 plus 2 égale 5 fois 10 égale 50. Eh bien non, c'est complètement faux. Les règles de calcul sont une norme. Les règles de priorité en calcul sont une norme internationale existant dans tous les pays qui s'appelle le PEMDAS. PEMDAS comme. Alors, je décris. Parenthèse. Exposant. Multiplication et division. Enfin, addition et soustraction. C'est-à-dire que quand vous avez une opération, un calcul à effectuer en ligne, enfin une ligne avec plusieurs opérations, ce qui est priorité à faire dans toute chose, ce sont les parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions, et enfin addition et soustraction. On va prendre un exemple. Si je fais 3 plus 5 fois 2, je mets exponentielle 2. Alors exponentielle 2, c'est ça. Fois 2 exponentielle 3. Alors quelle est la priorité du calcul là? Qu'est-ce que vous faites? Alors vous allez dire, ah ben je vais faire 3 plus 5, 8 fois 2, 16. 16 exposant 2, donc ça doit faire 256. Fois 2, 512 exposant 3. Eh ben non. Il faut suivre la règle du PEMDAS qui est indiquée ici. C'est-à-dire qu'on effectue d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc ce qui est entre parenthèses, c'est le 3 plus 5 fois 2. Donc on a 3 plus 5 fois 2. Égale 3 plus 5. En fait, c'est comme si on faisait ça. Puisque la multiplication l'emporte sur l'addition précédente. C'est égal à donc 10. 10 plus 3 égale 13. D'accord. Donc on a fait le calcul de ce qu'il y a entre parenthèses. Donc 13 exposant 2, c'est égal à 13 fois 13, c'est égal à 169. D'accord. Ensuite, le 169, on ne multiplie pas par 2, mais on regarde ce que vaut 2 puissance 3 d'abord, puisque 2 puissance 3 est prioritaire sur l'addition et sur la multiplication. C'est égal à 8. Voilà. Donc le résultat c'est 169 fois 8. Alors j'ai le calcul en tête, qu'est-ce que ça fait? 9 fois 8, 72. 8 fois 6, 48 et 7, 55. 5 et 1, 6. Donc ça fait 652. Le résultat final de cette opération est 652 en appliquant les règles du PEMDAS. Donc parenthèse, prioritaire sur l'exposant, prioritaire sur multiplication et division, prioritaire sur addition et soustraction. Alors, vous allez me dire, alors dans ce couteau là, comment on fait quand on a plusieurs opérations du même type? Par exemple, si on a 5 plus 3 moins 8 plus 2. Et bien là, en fait, c'est linéaire, on fait les opérations de gauche à droite. Donc là, ils sont tous prioritaires. De toute façon, comme on sait que l'addition et la soustraction sont associatifs, c'est-à-dire que quel que soit le sens qu'on prend, ben ça donne le même résultat. 3 plus 5 égale 5 plus 3. 5 moins 8 égale moins 8 plus 5. Ben de toute façon, on obtiendra toujours le même résultat. Donc là, on aura 5 plus 3, 8. Moins 8, 0. Plus 2, 2. Idem pour les multiplications et divisions. Si vous voulez faire 15 divisé par 3 fois 2 fois 2 fois 2 divisé par 5 par exemple, ben vous faites des opérations de gauche à droite. Donc 15 divisé par 3 ça fait 5 fois 2 10 divisé par 5 c'est égal à 2. Voilà. Donc c'était le cours que je voulais faire sur les opérations en arithmétique, parce que malheureusement je constate sur Facebook qu'il y a énormément de Français qui connaissent pas ces règles là. Pour vous convaincre que ceci est vrai, vous prenez votre calculatrice et vous faites les opérations que j'ai décrit ici là. Vous faites taper 3 plus 2 fois 10. Ça vous donnera 23.
Donc là, j'ai oublié de le mettre, ça donnera 23. Vous faites cette opération-là sur la calculatrice, avec les parenthèses, si vous avez une calculatrice scientifique, le résultat sera 8. Et voilà, donc c'était ce que je voulais dire sur les opérations, la priorité des opérations en mathématiques, en arithmétique. Et comme je disais, sur Facebook, je constate qu'il y a énormément de Français qui ne savent même pas faire ça en étant adultes. Ils se plantent sur ce genre d'opérations. Et je trouve ça malheureux, mais on a un système éducatif qui est très pauvre en France au niveau des mathématiques. J'espère que ce cours vous a aidé sur la priorité des opérations. Donc retenez bien la règle PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication et division, addition et soustraction. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.